Merci de suivre les programmes de votre chaîne Al Morabitoun et bienvenue dans l'édition de 20h que nous ouvrons par les titres. L'ambassade de l'État de Palestine à Nouakchott commémore le 76e anniversaire de la Nakba sous le slogan « La Palestine demeurera et l'occupation disparaîtra ». Les ministres mauritaniens et sénégalais déplorent la lenteur dans l'exécution du pont de Rosso, soit un taux de 7% et engagent les entreprises à accélérer les travaux. Au Mali, la mission militaire de l'Union européenne chargée de former les forces armées maliennes annonce qu'elle met officiellement fin à sa présence dans le pays après 11 ans de travail. La Palestine demeurera et l'occupation disparaîtra. C'est sous ce slogan que l'ambassade de Palestine a commémoré vendredi soir à Nouakchott le 76e anniversaire de la Nakba palestinienne. Entendez la catastrophe ou le désastre. Le ministre de la Justice Mohamed Mahmoud Oulcheikh Abdallahi Wulboy, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim et de hauts fonctionnaires du département ont représenté le gouvernement à cette célébration qui se déroule dans un contexte marqué par une nouvelle Nakba que vivent les Palestiniens dans la bande de Gaza. Mohamed Lamine Abdelkader. L'ambassadeur de l'État de Palestine en Mauritanie, Mohamed Qassem El-Assed, a ouvert la cérémonie par un discours dans lequel il a déclaré que le peuple palestinien et les peuples libres du monde, dans de nombreuses capitales et villes, commémorent chaque année l'anniversaire tragique de la Nakba palestinienne qui jette encore une ombre sur le peuple palestinien. Notant que le récit palestinien a commencé à s'effrayer un chemin dans la conscience des peuples et des pays qui découvrent la fausseté du récit de l'occupation. Il a ajouté que 76 ans après la Nakba palestinienne, 6 millions de réfugiés palestiniens souffrent toujours du fléau du déplacement, les expulsions et de la perte de sécurité. Au cours de la cérémonie, le président du parti Insaf, Melani Nouleyi, a également pris la parole, soulignant que le peuple mauritanien, toute orientation politique et tout parti confondu, soutient la cause palestinienne. La cérémonie a été marquée par la projection d'un film documentaire sur les conséquences de la Nakba et ses dégâts liés au déplacement et à l'expulsion, ainsi que sur les destructions causées par l'attaque d'occupation sioniste sur Gaza pendant 225 jours de bombardement continu. Pendant ce temps, l'armée sioniste d'occupation de terre et de l'air continue de lâcher obus et bombes sur l'enclave palestinienne. La Cisjordanie n'est pas épargnée, elle aussi. Des frappes aériennes se sont écrasées sur la ville de Jenin. Depuis le début du conflit israélo-palestinien, il y a 7 mois, les frappes aériennes en Cisjordanie se sont intensifiées, tuant plus de 500 personnes. Mohamed Lamine Abdelkader. De violents combats ont opposé ce samedi les troupes sionistes aux combattants palestiniens dans le nord et le sud de la bande de Gaza. Selon des journalistes de l'AFP, les tirs d'artillerie et les frappes aériennes se poursuivent dans l'est et le nord-est de Rafah. Une frappe y a fait 2 morts dans un camp de déplacés, a indiqué l'hôpital koweïtien de la ville. Les brigades Al-Quds ont aussi fait état de violents combats dans l'est de la ville avec les troupes sionistes qui sont entrées dans ce secteur le 7 mai. Dans le nord de la bande de Gaza, des correspondants de l'AFP, témoins et médecins ont également fait état d'affrontements intenses dans la nuit de vendredi à samedi dans le camp de réfugiés de Jabalia au nord de Gazaville. Les brigades d'Al-Quds ont affirmé avoir ciblé à Jabalia un centre de commandement de l'armée israélienne et tiré un barrage de roquettes en direction de la ville israélienne d'Ashkelon.
Après des mois de bombardements et d'opérations qui ont ravagé le nord et le centre de la bande de Gaza et poussé plus d'un million de déplacés à Rafah, l'armée israélienne a annoncé ce jeudi intensifier ses opérations dans cette ville avec l'objectif affiché d'y anéantir les derniers bastions du Hamas, malgré les craintes de la communauté internationale pour la population civile. Alors que l'aide humanitaire est quasi à l'arrêt depuis des jours, plus de 300 palettes de matériel ont été acheminées pour la première fois ce samedi via une jetée flottante temporaire construite par les États-Unis. Mais l'ONU et les organisations humanitaires répètent que seule l'ouverture des passages routiers peut garantir les nécessaires distributions à grande échelle dans un territoire assiégé et menacé de famine. Parlons à présent de la présidentielle qui se prépare déjà activement avec les coalitions qui se nouent ici et là. Hier soir, à titre d'exemple, le siège de campagne du candidat de la coalition FRDU Espoir Mauritanie, le député Maître Al-Aïd Mohamed Mbarak, a été le témoin de la signature d'un document portant un accord de projet politique entre un groupe de forces politiques d'opposition, dont l'UFP. Parmi les clauses de l'accord, la formation d'un gouvernement d'union nationale en cas de victoire de leur candidat. Il s'agit d'un accord de projet politique pour le changement. Dans un discours, le candidat Maître Al-Aïd Mohamed Mbarak a dévoilé les aspirations de la coalition dans l'édification d'une école publique inclusive. Les aspirations du peuple mauritanien. Ces aspirations concernant l'unité, la gestion de sa diversité, ces aspirations relativement à la création d'une école publique dans laquelle tous les enfants mauritaniens apprennent les mêmes valeurs, apprennent à se respecter, à se comprendre. Le candidat Al-Aïd a aussi dévoilé son projet sur le plan économique. C'est un projet qui donne de l'espoir à notre population, à nos agriculteurs, à nos travailleurs, pour valoriser la terre, pour en faire un facteur de richesse. C'est un projet qui protège l'environnement face à l'exploitation négative de nos ressources naturelles. Voilà aujourd'hui ces militants que vous connaissez bien, ces partis et ces mouvements qui ont fait preuve de détermination, d'engagement et de volonté d'aller ensemble en vue de préserver les intérêts de la population mauritanienne. Pour sa part, Dr Mohamed Ould Mouloud, président du parti Union des Forces de Progrès UFP, l'une des principales formations politiques qui soutient la candidature du député Maître Al-Aïd Mohamed Mbarak, a salué le courage et la volonté du candidat et son amour pour la Mauritanie et son peuple. Il a exhorté le peuple à soutenir le candidat du changement et de l'espoir, indiquant que sa victoire à l'élection présidentielle nécessite un combat collectif des forces et mouvements politiques par le vote le samedi 29 juin prochain avant de le définir comme le président libérateur. La Mauritanie a convenu avec le Sénégal l'approvisionnement des marchés sénégalais en bétail mauritanien destiné à la fête de Tabaski. Un accord scellé hier par les signatures du ministre mauritanien de l'élevage, Hamdait Wellichane, et celle de son homologue sénégalais de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, Mabouba Diagne.
L'accord stipule l'engagement des autorités sénégalaises à mettre en œuvre tous les mécanismes et moyens nécessaires, tels que l'assurance des vendeurs de leur bétail, de leurs troupeaux et de leur argent, l'exonération des taxes douanières sur leur bétail, l'octroi d'une période suffisante pour commercialiser leur bétail et d'une autre période après l'Eid pour vendre le reste du bétail avec la fourniture d'aliments, d'eau et d'autres produits nécessaires à la réussite de ce processus. La partie mauritanienne s'engage de son côté à mener des campagnes de sensibilisation du département de l'élevage et des organisations professionnelles du secteur, à fournir aux intéressés des certificats sanitaires attestant de la sécurité de leur bétail exposé sur les marchés sénégalais et à faciliter le transit. Enfin, l'accord prévoit également la préparation d'un projet conjoint entre les deux pays visant à atteindre l'autosuffisance dans le domaine laitier, faisant intervenir des investissements publics et privés. Autre ministre sénégalais en visite en Mauritanie, celui des infrastructures, des transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, et son homologue mauritanien Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed étaient sur le chantier du pont de Rosso et apparemment, ce qu'ils ont constaté ne leur a plu. En effet, le taux d'avancement des travaux n'est que de 17%. Alors même que la consommation des délais a atteint 13%, les deux ministres ont insisté sur l'importance d'accélérer les travaux eu égard à l'importance économique de l'infrastructure. Ce trait d'union-là, qui ne fera que renforcer les relations qui nous lient avec notre pays frère, est plus qu'une urgence, plus qu'une priorité. Si on regarde bien, on n'a besoin que 1400 et quelques mètres pour faire des deux pays frères un seul et unique pays. Et si on le fait, je ne parle pas des bénéfices que nous allons en tirer, parce que si aujourd'hui, peut-être, la durée pour traverser est d'une heure de temps, une fois le pont réalisé, ce sera 10 minutes. Je pense que rien que pour cela, on devrait accélérer les choses. Qu'on regarde de très près quels sont les problèmes qui sont posés afin de leur trouver les solutions adéquates et de déterminer les responsabilités, aussi bien au niveau de l'administration, au niveau de l'unité de gestion, au niveau de l'entreprise qui exécute ce projet et au niveau de la mission de contrôle. Parce qu'il est clair qu'un projet qui a déjà dépassé les 100% de consommation des délais et qui n'est qu'à 17% d'exécution, il y a un problème. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont mis la touche finale au projet initial du traité instituant l'Alliance des États du Sahel. Les trois pays ont indiqué dans le communiqué final de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la coalition des États du Sahel à Niamey que le projet de loi interne de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de la coalition a été approuvé lors de la réunion organisée à Niamey. Le communiqué indique, je cite, « Les ministres ont convenu d'adopter la charte du LIPTACO établissant l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023. » Ils ont également réitéré leur engagement à activer l'union de l'Alliance des États du Sahel. Les ministres des Affaires étrangères des trois pays ont salué la création par le Niger du comité national chargé d'activer l'union des États du Sahel et ils ont également exprimé leur soutien à la proposition du Burkina Faso d'établir des lignes directrices communes pour améliorer la coordination des actions diplomatiques. Le communiqué confirme que les ministres réunis à Niamey ont salué l'initiative du Mali de mener des discussions pour élaborer une stratégie de communication entre les pays de la coalition et ont réitéré la nécessité d'établir des mécanismes de solidarité au sein de l'autorité des services environnementaux. Ils ont également exhorté les missions diplomatiques des trois pays à le faire établir un cadre de dialogue et de concertation dans le but de renforcer la vision commune.
Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont annoncé le retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au début de cette année. On reste au Sahel et précisément au Mali où la mission militaire de l'Union européenne chargée de former les forces armées maliennes a annoncé hier qu'elle mettait officiellement fin à sa présence dans le pays après 11 ans de travail. Cette décision intervient après que Bruxelles a annoncé la semaine dernière que le mandat de la mission ne serait pas prolongé compte tenu de l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans le pays. Cette décision intervient également à la lumière de l'escalade des différends entre Bamako et plusieurs capitales européennes, ainsi que de son rapprochement avec Moscou. La mission de l'Union européenne est arrivée au Mali en 2013, forte d'environ 700 soldats venus de près de 20 pays européens, avant que son effectif ne soit considérablement réduit en raison des tensions diplomatiques entre Bamako et ses partenaires occidentaux. Sur ce point, fin à cette édition, je vous en rappelle les titres. L'ambassade de l'État de Palestine à Nouakchott commémore le 76e anniversaire de la Nakba sous le slogan « La Palestine demeurera et l'occupation disparaîtra ». Les ministres mauritaniens et sénégalais déplorent la lenteur dans l'exécution du pont de Rosso, soit un taux de 17%, et engagent les entreprises à accélérer les travaux. Au Mali, la mission militaire de l'Union européenne chargée de former les forces armées maliennes annonce qu'elle met officiellement fin à sa présence dans le pays après 11 ans de travail. Merci de votre attention. Au revoir.